Allez, je vous emmène maintenant chez Grécousse qui ouvre aujourd'hui. Grécousse, c'est une maison bleue, c'est la boulangerie bleue. Et on va découvrir les trois personnages principaux. Alors, nous avons ici François. Bonjour François. Bonjour. Alors, nous avons Gontran. Bonjour. Et nous avons Claudio. Bonjour. C'est quoi la spécificité de Grécousse? Ben, ce qui la caractérise avant tout, c'est le lieu où elle a été élaborée, c'est-à-dire à Cognac, parce qu'elle bénéficie de cette expertise et de la connaissance des spiritueux. Avec quoi est-ce que ça se marie très bien? L'ingrédient idéal, avec quoi ça se marie très bien? Moi je dirais avec n'importe quel ingrédient français. On reste dans les 100% français. On a à la base des Grécousse du blé et de l'eau française. Avec n'importe quel ingrédient. Là, on a un petit exemple, les cocktails phares de cette année 2014, Grécousse l'artisan. Quel est le point commun entre une vodka et du pain? C'est le blé. Et l'eau. Et oui, et l'eau. Alors moi, ça je ne savais pas, j'ai appris ça. Alors donc, tu es artisan boulanger en France, tu as plusieurs boulangeries. Et comment s'est passée l'association ici avec la marque Grécousse? Bien, en fait, c'était presque comme une évidence, parce que c'est vrai qu'on part du même terroir, on parle de la France, on part aussi d'une même matière première qui est le blé. Et c'est vrai que on a uni nos savoir-faire, tous les trois, et on l'a exprimé sous une forme solide. Et là on a la naissance du petit pain. Donc ça c'était pour moi c'était très intéressant comme exercice. Alors venez ici les garçons. La vie, elle est quoi aujourd'hui? La vie? C'est la joie de vivre. C'est... Non, François. Elle est quoi la vie aujourd'hui? La vie est française. Moi je mange un petit pain. On va en rester là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour d'autres aventures.